4, 3, 2, 1. La sirène retentit sur le plateau de Rozerial. Il est 15h. C'est le départ sur les chapeaux de roue de la 20e édition du Trophée des Crapauds. Et comme le veut la coutume, les concurrents du fameux relais 24h VTT sont déguisés pour le premier tour, quelles que soient les intentions de chaque équipe. On a deux types de catégories de coureurs, clairement. On a ceux qui viennent pour la gagne, qui se sont préparés, entraînés et qui sont surtout organisés dans leur team pour les relais, etc., pour gagner, parce qu'ils sont là pour gagner soit dans leur catégorie, soit pour gagner le Trophée des Crapauds. Et là, il faut plusieurs équipes placées suffisamment bien pour pouvoir gagner. Et puis, la grande majorité des autres coureurs sont là vraiment pour se faire plaisir, pour profiter de la fête, passer un bon moment entre copains, profiter du circuit, prendre des relais sympas, pas se tuer trop pendant la course, mais en tout cas se faire vraiment plaisir. Et parmi ces deux types de coureurs, chacun fait la course à sa façon. À commencer par ceux qui entendent d'abord profiter de l'ambiance mythique des crapauds. C'est pour l'esprit copain, c'est passer un bon moment ensemble, quoi. Et pas plus pour la compétition. La compétition, c'est de côté, hein. Je laisse ça pour les fous furieux, comme j'appelle ça. Bon, il y a quand même vraiment le côté festif, il y a d'animation, des concerts, il y a de tout pour faire la fête. Et puis pour ceux qui veulent vraiment donner, il y a aussi ce qu'il faut au côté sportif, quoi. C'est complet. On est là pour l'ambiance, la fête et puis un petit peu le défi sportif aussi. Je viens quand même pour me faire plaisir d'abord, puis après faire un résultat, ouais. Voilà. Alors, si les participants qui privilégient la fête ont dans l'idée aussi de faire des chronos, que reste-t-il aux autres, ceux qui viennent ici pour mettre la tête dans le guidon? C'est vrai qu'on vient ici pour gagner, mais aussi pour l'ambiance, pour faire la fête, quoi. C'est la fête du VTT, et puis voilà, donc on est là pour s'amuser et pour gagner, les deux. Léon fait quelques fois, bah évidemment on se prend au jeu et on tente tout simplement de gagner peut-être quelques places par rapport à l'année précédente, quoi, tout simplement. Mais toujours dans un esprit assez festif quand même. Nous on vient pour gagner, puis aussi pour l'ambiance, on va dire, parce que c'est assez exceptionnel, quoi, hein. C'est 2000 participants, c'est des gens qui sont déguisés au premier tour, c'est la fête du VTT en fait. La fête du VTT, un grand melting pot où tout le monde y trouve son compte. C'est ça, la magie des crapauds. Une magie qui agit aussi sur les spectateurs. C'est la première fois que je viens voir ça et c'est super sympa, l'ambiance est bonne et puis voilà. Je trouve ça très sympathique, c'est énorme quoi, hein. C'est une grosse organisation, on voit et puis voilà quoi, c'est intéressant. Non seulement ils tournent toute la journée en équipe, mais en plus la nuit ils font la fête. Oui, là je crois que c'est une vraie performance de faire les deux. Oui. Surtout ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens de tous les âges. Il y a des tout jeunes, mais aussi des gens, on va dire, de la cinquantaine, et je trouve ça, c'est merveilleux. C'est l'ambiance surtout qu'on vient voir. Et puis on en voit des ceux qui sont drôlement déguisés aussi, qui sont marrants. C'est super bien. Cette année, le Trophée des Crapauds comptait 2350 participants.